Une même couleur et pourtant deux sacs totalement différents. L'un est réglementaire, l'autre pas. Tous les jours, Marie-Hélène et six autres brigadiers de Bruxelles Propreté roulent à travers les rues de la capitale pour faciliter le travail des éboueurs. Nous contrôlons voir si tous les sacs sont bien conformes. Ici, on voit que les sacs que le riverain a sortis ne sont pas conformes. On colle une étiquette avec la date, l'heure de notre passage et la non-conformité. Depuis janvier 2018, la vente de sacs non biodégradables pour les déchets de jardin est interdite. La décision de ne plus récolter ces sacs verts en plastique a été actée dans le permis d'environnement de Bruxelles Compost. Alors un sac conforme, c'est très simple, je vais vous en montrer. Un sac conforme, c'est un sac qui a le logo de la région et celui de Bruxelles Propreté. Si les sacs n'ont pas ces logos-là, ce ne sont pas des sacs réglementaires. Quant aux sacs certifiés biodégradables mais ne portant pas le logo de la région bruxelloise, ils ne sont plus non plus ramassés comme c'était le cas encore jusqu'en juillet dernier. Bruxelles Propreté constate pourtant depuis plusieurs semaines leur augmentation dans les rues. Il y a des sacs qui sont compostables, qui pourraient très bien être décomposés, mais on ne connaît pas la matière précise qui se trouve dans ces sacs. Et donc pour s'assurer la meilleure qualité possible, nous on doit se conformer aux sacs réglementaires qui ont suivi un cahier des charges strict de la part de Bruxelles Environnement. Les propriétaires des sacs sur lesquels a été apposée cette fameuse étiquette rouge sont invités à les déposer dans les réciparcs ou de transposer leur contenu dans les sacs certifiés de la région.